Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue une fois de plus à cette rencontre quotidienne dans laquelle nous parlerons de ce magnifique transport qui est en train d'entrer sur le marché mondial. OK? Et ce soir, une fois de plus, vous êtes accompagné de moi-même, de Nassim Gérard, et je suis partenaire et investisseur de ce projet qui n'est plus du tout un projet parce que nous sommes déjà sur le marché, bien évidemment, depuis 2018. Alors, au menu aujourd'hui, nous parlerons des différents problèmes des transports actuels que nous rencontrons et que le système de transport à côte vient résoudre. D'accord? Nous verrons d'abord les dernières nouvelles du projet. Ensuite, nous aborderons tous ces différents cas. Alors, nous commençons par ceci. U-Sky Transport a parlé des plans pour 2023. Nous savons que nous sommes dans une nouvelle année et l'entreprise, OK, comme elle le fait d'habitude, nous parle de ses projets pour l'année suivante. Et là, nous sommes en 2023. Alors, la première réunion opérationnelle 2023 a eu lieu dans le bureau de U-Sky Transport, U-House vert créé dans le style d'une architecture progressiste et écologiste. La réunion en collaboration avec les partenaires ASAC et International Engineering Consultant a examiné les résultats des travaux en cours de l'année 2022, ainsi que les plans de construction pour l'année 2023 dans le cadre de la mise en œuvre de la quatrième piste d'essai. Parmi les principales étapes à forte intensité dans laquelle il y a les travaux suivants. Le levage des rails, montage de structures métalliques, conception et fabrication de la tête des rails, mise en service du chemin de trajet, mise en service du véhicule, achèvement de la certification de la quatrième piste d'essai. Outre les plans de production, la direction de la société a également discuté d'une stratégie marketing mise à jour qui comprend de nouvelles étapes pour promouvoir U-Sky Transport sur le marché. À la fin de la réunion, le concepteur général a eu une qui a approuvé chacun des objectifs de production et de marketing prévus, inspirant ainsi le personnel et les partenaires d'U-Sky Transport pour la mise en œuvre productive des différentes tâches. Alors, comment est-ce que Uniski Steam Technologies Inc. peut aider les entreprises industrielles et minières à éviter les difficultés logistiques? C'est un itinéraire logistique optimal avec le moins de coûts financiers et de temps possible. N'est-ce pas une tâche facile? En même temps, les exigences en matière de qualité et de délai de livraison des marchandises augmentent constamment dans le monde. Les services logistiques des entreprises doivent rechercher de nouveaux modes de transport et être prêts à innover. La solution pourrait être l'application de la technologie Uniski Steam Technologies. Le problème de l'organisation des transports de marchandises. Aujourd'hui, l'organisation des transports de marchandises est compliquée par plusieurs facteurs. Souvent, les entreprises sont obligées d'abandonner le transport de matériaux, d'équipements et de ressources en raison de la saison
hors route ou de décaler les délais de livraison en raison de mauvais états de route. Le travail des ateliers d'une entreprise industrielle peut s'arrêter en raison de la livraison tardive des pièces nécessaires à la réparation de l'ajustement des machines-outils ou des équipements spéciaux. L'absence de nouvelles pièces de rechange ou d'outils et de matières premières entraîne ainsi des temps d'arrêt et de pertes financières. Cependant, de nombreuses installations minières sont situées dans des zones de basse température. Il faut donc organiser le transport en tenant compte des conditions météorologiques et climatiques difficiles. Dans les régions reculées, il n'est pas rare que des perturbations d'approvisionnement dues aux intempéries ou aux catastrophes naturelles se produisent. Une nouvelle étape dans le développement du transport de marchandises. La structure de trajet UST résistante aux températures extrêmes peut être appliquée efficacement même dans les conditions arctiques. Vous imaginez? Cette solution convient à l'organisation de la communication de transport dans les zones difficiles d'accès avec les terrains complexes dans lesquels l'exploitation minière est effectuée. Les complexes de transport et d'infrastructures peuvent relier de grands nœuds logistiques pour la livraison rapide de tout type de marchandises, en vrac, en pièces, en liquide. Dans le cas des marchandises dangereuses, le transport UST offre une fiabilité sans précédent en raison de ses caractéristiques de conception et de mouvement au deuxième niveau, sans congestion ni obstacle accidentel. Ainsi, la capacité au temps pour mois annuel des complexes UST est jusqu'à 100 millions de tonnes. La vitesse du véhicule électrique sans pilote sur roues en acier est jusqu'à 150 km par heure et la durée de vie de la structure du trajet jusqu'à la révision est de 50 ans. Par rapport aux routes traditionnelles, la piste de transport UST est tracée sur une trajectoire plus courte. Ceci est possible grâce à la spécificité de l'estacade de rail à cordes, plus adaptable aux caractéristiques du paysage. Pendant le transport de marchandises, un système de contrôle automatisé est utilisé pour la surveillance. Les véhicules électriques sans pilote, sur roues en acier à roulement lisse, sont équipés d'un système anti-déraillement pour assurer la stabilité et empêcher le détachement vertical du rail et le basculement. Les routes UST n'ont pas besoin d'être traitées avec des sels de dégivrage et le transport de marchandises est effectué par tous les temps, brouillard, blizzard, averse et même pendant la tempête. Alors, cette grande nouvelle, toujours pour tous ceux qui sont partenaires du projet et qui ont des coupons. OK? Vous dépêchez-vous de profiter de la promotion chez NUYER jusqu'au 13 janvier. L'offre du nouvel an chez NUYER continue. Vous avez encore 2 semaines pour pouvoir en profiter avec un escompte de 1 sur 80. Veuillez noter que l'accès à la reparticipation à la promotion chez NUYER est terminé le 29 décembre à 17 h. Les partenaires qui ont acquis un pack et donné 3 coupons à des amis en première ligne avant cette date, alors peuvent profiter de l'offre à nouveau. Alors, nous parlons donc de ce transport magnifique qui est une solution au problème moderne de transport humain de marchandises et à grande vitesse, qui donne la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Il s'agit du transport U-Sky, bien évidemment, qui permet d'éviter les embouteillages, okay, qui peut être construit sur tout type de terrain avec n'importe quel climat. En 1914, imaginez-vous, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Eniem produisit des bonbons déjà avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. C'est ainsi, comme on peut le voir, qu'il a réalisé le monde dans un avenir proche avec un escatade ajouré et un wagon suspendu. On peut le voir même ici, dans cette illustration. Les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent essayant de ne pas tomber sous les roues et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Sur cette image, cette situation nous est déjà familière. D'accord? C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1. C'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de terrain, les transports, autant pour moi, affectent l'économie.
Les ports, surchargés, n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre. Chacun leur tour après le tour. Ainsi donc, les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui sont la surcharge des voies de transport qui cause bien évidemment les embouteillages et le manque de sécurité qui cause la mort des personnes. Voilà les deux premiers problèmes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Celui-ci reste la nature, quant à elle, vit sa vie autant pour moi et essaie de résister à l'homme tant bien que mal. Celui-ci reste donc persévérant et tellement insistant qu'il oublie qu'il tue même le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise est un poison pour la nature, elle ne peut plus du tout résister. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne en électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles qui polluent également l'environnement. Il y a des moyens de sortir de cette situation et de créer des machines avec moins, vraiment moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Écoutez bien, dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières et les forêts, mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les tentatives de construire une route en l'envers ont été faites comme au siècle dernier en Allemagne et de nos jours en Chine. Donc, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais, au grand jamais, été classées comme confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues roulant par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport que, bien évidemment, il ne faut pas confondre avec le téléphérique ou le funiculaire. Ces derniers n'ont pas leur moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Donc, qu'est-ce que Yuskal? Nous parlons de Yuskal Transport. Il s'agit donc d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place d'un système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes du développement à long terme du projet. Alors, ici, c'est une image écomaison dont nous avons parlé au départ, où s'est tenue la réunion, première réunion de cette année. Lisons ensemble cette assertion. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Alors, ceci est une assertion du docteur Anatoly Yunitskiy, concepteur général de Yunitskiy Strain Technologies. OK. Maintenant, donc, fixons-nous le problème qui consiste ici à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la Terre, de la surface de la Terre, bien évidemment. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il n'est pas nécessaire, il est nécessaire, OK, dans ce cas, bien évidemment, de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir cela sur cette image. La prochaine étape consiste à la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont, ce que les hommes ont fait. D'accord? Jusqu'ici, nous avons plusieurs ponts qui sont construits
qui sont construits ainsi. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, okay, on va donc poser plutôt le câble. Voyez-vous, les supports lourds n'étant donc plus nécessaires, on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports pas nécessaires, les supports intermédiaires, et ensuite nous plaçons donc notre enveloppe, notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Voici donc à quoi ressemble cette structure de rail en section. La composition et les propriétés sont sur le schéma. On voit la tête du rail, les cordes qui sont des faisceaux de fil d'acier précontraint. On a un agent de remplissage qui est un béton flexible et le corps du rail. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Bien évidemment, ici nous avons une conception interne du châssis avec les différents éléments qui s'y trouvent. Et dans cette conception, comme nous l'avons dit, il y a un système anti-déraillement spécial. Ici, cette image, vous pouvez voir dans les rails les dimensions réelles du rail semi-rigide et du rail flexible. Ceci, c'est un photomontage, d'accord? C'est un montage photo qui montre des haubans qui supportent le vrai pont. Les mêmes haubans pouvant servir de base à la structure de trajet à cordes. En passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée, okay, près de 600 mètres. Ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, non, mais une vraie photo. D'accord, prise lors de l'expo Dubaï l'année passée, l'année surpassée, autant pour moi, en 2021. Okay, dans le centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, une caractéristique distinctive des structures de trajet de rail à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier. Sur le rail en acier, la tâche la plus importante pour du transport de deuxième niveau et d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique élimine l'influence du facteur humain. Ici, c'est une photo de moi-même, okay, au centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah, où notre, au centre de test où notre transport est en plein développement. Okay. C'est une photo prise il y a cela 3 mois. Donc, très content d'avoir pu voir et toucher de mes propres mains cet engin magnifique. Alors, il est possible de réduire la charge sur la structure du trajet et augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons aux photos déjà familières, ou plutôt aux roues moteurs. Ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour ce transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Alors, la solution la plus importante pour réduire la résistance aérodynamique à l'air et de réduire la vitesse du véhicule. OK? Et sur le transport de second niveau, les fuites d'air au-dessus du sol n'ont pas d'effet, comme on peut le voir, c'est une e-flash. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. En règle générale, à une vitesse élevée, le véhicule dépense jusqu'à 90% d'énergie pour surmonter la traînée aérodynamique. Avec l'augmentation de la vitesse, la résistance à l'air augmente de manière quadratique. À cela s'ajoute l'effet d'écran du phénomène aérodynamique qui se produit entre la route et la voiture. Pour les surmonter,
Le moteur du transport doit travailler plus intensément, augmentant la consommation d'énergie. Dans le transport UST, le problème mentionné est résolu à l'aide d'une estacade de rails à cordes. L'emplacement de la structure de trajet au-dessus du sol élimine complètement l'effet d'écran. Grâce au corps profilé des unis mobiles, la consommation d'énergie du transport est efficacement réduite. D'accord. Voici l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma en grandeur nature. Ce modèle de transport à grande vitesse, qu'on appelle UniFlash, mérite une attention particulière. Son coefficient de traînée aérodynamique a été réduit à 0,06. Vous imaginez, à titre de comparaison, parmi les voitures qui figurent, parmi les leaders de cet indicateur, le coefficient de traînée aérodynamique peut être, par exemple, 0,1. C'est 0,175, nous on a 0,06, vous imaginez. C'est bien plus qu'une voiture de course. Cette image montre les caractéristiques des deux véhicules ainsi que le calcul de l'électricité consommée par le poids du carburant liquide conditionnel. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez donc voir les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Celui que le transport à cordes offre est peint en vert. Nous sommes donc tous d'accord que ce transport à cordes, OK, est nettement plus avantageux que tous les autres systèmes de transport en termes de temps de délivrance et coût de délivrance. Alors ici, on a une comparaison des types les déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même projetés. Donc, nous pouvons dire que le transport à cordes est un transport de deuxième niveau, rapide, léger, économique et surtout écologique. Donc, tout le monde peut investir, d'accord? Tout le monde peut participer à ce magnifique projet. Et contactez juste la personne qui vous a parlé de ce projet, cette personne qui vous a envoyé cette vidéo. OK, et cette personne vous aidera à vous inscrire. Nous pouvons donc, nous proposons des investissements pour tout budget à partir de 50 dollars et un plan de versement pratique divisé sur 5 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans le projet dans plus de 200 pays partout dans le monde. Les perspectives d'investissement dans le projet sont les suivantes. Les dividendes. OK, la mise en œuvre du réussite du projet, ce qui est déjà le cas, vous permettra d'être en mesure de recevoir des dividendes de la part des bénéfices de l'entreprise. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions comme en octobre 2018, les 5 000 premiers investisseurs de la société ont pu vendre leurs actions avec un profit jusqu'à 10 fois. L'héritage. Les actions sont votre propriété. Vous pouvez les remettre à vos enfants, petits-enfants en héritage. La vente d'actions. Aujourd'hui, la valeur actuelle des actions est bien inférieure à la valeur nominale qui est de 1 dollar. L'entreprise peut décider donc d'entrer sur le marché boursier et en ce moment, vous pourrez avoir la possibilité de vendre vos actions. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoli Eduardovitch Unitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur a développé une technologie optimale, efficace et sûr. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur le site uniski.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Plusieurs modèles de véhicules pour le transport des personnes ont été développés et aussi pour le transport des marchandises. Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus des routes et de l'eau, sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts ne peuvent être des obstacles pour ce transport. Il n'est pas nécessaire de niveler les terrains, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Ce transport s'intègre facilement dans le paysage. Alors, le transport à cordes aujourd'hui a une renommée mondiale. Pendant 7 ans, la technologie a été présentée au public, au grand public mondial, dans le cadre de plus de 20 expositions
de transport international, comme vous pouvez le voir partout là. Et l'année dernière encore, okay, en septembre, nous étions présents au Salon InnoTrans Berlin 2022. D'accord. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport a passé les tests peuvent être trouvés sur le site. Voici ce document que tient fièrement notre CEO, qui est un certificat de conformité établi par TÜV Thuringen, TÜVSW. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine, plusieurs certificats et récompenses également. Aujourd'hui, sur cette diapositive, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur le site web de l'entreprise. Et sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, la société a été créée en Minsk, en République de Biélorussie, en 2019. Depuis lors, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. Alors, cette société, OK, Uniskilling Technologies, qui développe cette technologie, est inscrite au registre des sociétés de bonne foi du Biélorussie. Uniskilling Technologies est un partenaire fiable et consciencieux pour les activités commerciales en Biélorussie et à l'étranger. Et c'est donc une preuve de tout cela. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers urbains et à hyper vitesse et à grande vitesse. L'agence des investisseurs a permis de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk, en République de Biélorussie. Et chaque année, à l'heure de l'Ecofest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce lieu pour voir de leurs propres yeux tout ce qui s'y passe et s'assurer de la réalité de tout cela. À chaque fois, quelque chose de nouveau est montré. En septembre 2018, on a commencé donc la construction du centre d'innovation aux Émirats Arabes Unis, dans l'émirat de Sharjah. Ce centre d'innovation est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe UST lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Et le transport aux Émirats Arabes Unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut être construite sur toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute, tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, ce transport s'intégrera naturellement dans le paysage et ne nous surprendra plus comme le font le métro et le tram. Ils ne nous surprennent plus du tout aujourd'hui. Alors, nous pouvons donc dire ici, en termes de résumé, que le transport à cordes est un transport innovant au-dessus du sol, sûr, qui se déplace à haute vitesse, efficace, facilement intégrable et surtout écologique. Alors, bien évidemment, comme à l'accoutumée, je vais vous laisser avec cette vidéo intéressante qui présente le transport à côte. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler encore des dernières nouvelles de ce projet parce que l'entreprise communique énormément. Chaque jour, nous avons des nouveautés dans ce projet. Donc, portez-vous bien et à lundi prochain.